vient lancer après vient répéter ça William Ruto dit William Ruto son compilier son compilier mais j'aime te dire dans l'autre voice ça là malgré le compilier même il fait cool qu'on est et que pour lui défendre intérêt pays ou même maman chienne. Pendant avec vous, Frère Semyon, a pris un bol dans Rosin avec Luni Joseph, et bien tout profiter, répondre au président Kenya, William Ruto. Nous connaissons bien, jeudi 23 mai, William Ruto était en visite d'État dans Washington pour qu'il ait rencontré le président américain Joe Biden dans la Maison Blanche. Et bien après, il a pris si tête à tête li, avec Joe Biden, et bien il était parlé devant la presse. Mais ça a déclaré concernant le dossier haïtien, concernant le dossier haïtien, que force pays pour aller pour déployer en Haïti mais ça le déclaré force pays Kenya qui veut déployer en Haïti pas venir jouer avec bandi yo pas venir grand dent avec bandi yo paré pour faire gang yo ouais son grand yo ouais toute couleur mission yo c'est établir bonne sécurité en Haïti sans pitié pour bandi yo en même temps de profiter avec ces bandi yo oui et ben président Kenya William Ruto et qu'on est que bandi yo sont pas quelque monde sans maman sans religion sans identité. Donc, il y a pas monde. Nous parlons pour affronter yo avec détermination dans le respect de la loi. Ah, là, le mettez un petit bémol. Il connaît, dans la séance de fête, il y a la loi. Il faut que vous respectez tout le monde. Comme si on dit même de respecter tout le monde. Mais là, il y a pareil pour affronter bandi yo, pour marcher sur bandi yo avec détermination dans le respect de la loi. C'est ça le déclaré, je me dis, devant la presse, après te fin, sorti dans tête à tête, dans plusieurs tirirons, en dedans, ils sont blanchés, avec le président dominicain, Joe Biden, qui recevoir président William Ruto, d'un coup, yon wa. Hein? Yon wa. Oui. Comme c'est mieux, d'un coup, yon wa, bien d'un coup, prince, qui recevoir William Ruto. Mais c'est comme ça, William Ruto lui-même, nous dit que, li pa pè. Soldat li yo, pa pè bandi yo en Haïti. Yo paré là pour yo vinn craser zo bandi. Vinn fourer pied dans choua bandi. Vinn faire bandi wè tout couler. Sans pité ou bandi, pendant que y a respecté la loi. Bandi yo sans maman, sans religion, sans religion, sans identité. Donc on sa yo, on prend yo, y a traité yo comme tel. Et bien là, après ça, Frère Semyon, pa bekyo lèm nan, bekyo pa kontan. Il fait que président Kenya c'est un corrompu, hein, son volet, son corrompu qui lié. Et bien là, et nous parlons de lui là, parler comme ça, avec qui, on a que les nazins, gros nazins, la petite nan bon Luni Joseph, il passe pour président Kenya tout petit. On garde nom comme c'est mieux, et deux, mademoiselle Sayo. Regardez là, c'est deux Akrina. C'est deux, madame Bandi. Il faut arrêter tous deux Afrique, qui est aussi madame Bandi. Regardez bien, comme c'est mieux, quand vous avez tout. Et là qui basé, hein? Negwa. Et ou même, Negwa qui vote lui? Comment allez-vous? C'est où même? Comment allez-vous? Hein? Tibour? La base de la vie? Gros bonjour, gros bonsoir. Avec chaque gamme qui va entendre des voix, ça. Ça dépend de qui l'on va entendre des voix, là. Et moi, tout le monde salue, nous encore. Où est-ce qu'il est là? L'issé de toi. L'issé de toi. Ouais, m'a fait voir ça. Et l'uni, bon bal avant, l'uni Joseph. Bon bal avant. Vous entendez? Parce qu'en Haïti, les nous gagnons quoi, non, mais nous détruisons les gens, nous voulons. Nous disons ça, nous voulons sur le monde. Et puis, les finis, nous voulons proposer nous de bien, nous, monde sérieux, nous. L'uni, on t'y bouson, bon bon passage, pour le monde qui va connaître. Ou t'es femme, ni Timothée. Ok, après Mirai Pon, non mais on y. Les Mirai vin pon vin avec Pierre Richard, qui c'est actuel directeur dignité. Ok, on est avec Pierre Richard, et que directeur dignité, compagnie dignité. Quand y a André Michel vin pon, li nommé consul honoraire Canada. Pendant cette année, on t'a fait troisième année, non, c'est vous êtes dans la troisième année dans ce dit. Ok? André Michel, on y prend, l'inomé ou, vous comprenez, Jean Mdoulan et consul honoraire Canada. Où sont maman chien nous? Faut moun men parler avec nous. Par exemple, nous ne pouvons pas fréquenter nous, nous ne pouvons pas ouvrir nous, détruire nous, dit ça nous voulons.
Ou dande, pour zo dande lini, ou pas bon moun. Ou fait marcher by driver pour un bonbon quand même, contrairement à celui de l'autre moun. Gade yon nom au consul honoré en Canada. Gouvernement, André Michel Pong, Pierre Richard, directeur d'unité, a fin drivo, bien drivé. Là, vous posez la question à Zamam, est-ce que vous avez une capacité pour lui faire verrouiller si monsieur a un problème en Haïti? Réponse, c'est sans aucune hésitation. Président américain Joe Biden dit oui. Et président Kenya a allé plus loin pour le préciser pour tout le monde que non seulement vous croyez au café, non seulement vous pensez au café, vous êtes certain au café. Et il dit, mes amis, là, le côté plus chaud que zone ça, là, le côté plus bas bon que bloc là. C'est-à-dire, lui-même, Zamam, lui toujours connaît. Et que vous voyez ça, vous voyez. Mais lui-même, Zamam, lui dit, ça, ça n'a pas pari pour l'autre là. Et bien, l'autre là, il pari même maman, vous en a. C'est le président américain Joe Biden donc, qui est en conférence de presse avec président William Ruto. Président William Ruto, qui lui-même, c'est président pays Kenya. Et bien, oui, président William Ruto, qui lui-même, c'est président pays Kenya, qui lui-même en visite d'État. Non. Washington DC, en visite d'État, côté yon sorti pratiquement, tout gram nan net pour président. Oui, c'est tout bagay la net yon pote pour président. Tout bagay la net yon pote pour président William Ruto. C'est-à-dire, c'est pas un plaisanterie, c'est pas un blague, Zamam. Lo apprécie voir Zamam, ou gon Jean, ou gon façon Olivier Gardère pour parler avec Zamam, ou gon façon Zamam pour voir Zamam. En tout cas, président William Ruto qui prend engagement ça tout, eh bien, engagement ça Zamam, qui lui-même, eh bien oui, et a organisé yo pour yo même yo fait des bagailles pour yo connaît ça fait bien tout engagement sur engagement et président Biden lui-même il clair sur ça donc il même il paraît pour le faire ça le besoin fait yo et ça le besoin fait à Zamam lui espérer gagner la paix lui même tout était croqué shot tout connaît journaliste tout va chercher la petite bête et journaliste gagne des faux tout monde journaliste quoi bête remet chercher la petite bête ça hein yo croqué shot Biden a une vieille question tout chance pour Biden devient les tout monde Biden te gagne dit sur celle question là prendre même monde oh il gagne les enfants faut brider mais depuis là président américain Joe Biden, t'es qui t'a dit sur celle question la prête, ou celle question la prête, pas venir merde, sur celle question la prête. Alors nous allons tout dans Gressier, côté baray la retourner mélanger encore malheureusement. Alors Gressier, côté baray la, malheureusement, retourner mélanger encore, ou a gagné impression, si Badjo tourne dans Gressier, et ses problèmes, l'hypothé, li pas poté l'autre bagay zamam, qui problème zamam, et bien oui, c'est problème l'hypothé dans Gressier. Là, nous allons aller à l'étranger avant, et ensuite, nous tourner en Haïti. Alors, nous allons dire, nous, qui ça va identifier, et qui ça, donc, et vous posez comme question, nous capables d'obtenir à moi. Your administration went on a worldwide search for security forces, Beninese forces, Bangladeshi, Canadian, Chilean, any but American forces to stand up this multinational security support mission for Haiti before Kenya stood up to lead. Can you explain why it is that you believe on the one hand that this mission is so critical and on the other, why it is that you have categorically ruled out contributing U.S. forces to this effort? Is it your Donc, il pose aux Américains question qui c'est contradiction dès le départ que tout le monde dit que États-Unis gagnent. États-Unis dit Haïti besoin d'aide. Haïti besoin en force d'intervention rapide qui pour venir de résoudre problème de sécurité. États-Unis marchait tout côté, presque tout côté sous la terre, Olivier Gardère, pour le chercher des mounes, pour la chercher moun. Et puis, il chercher moun, tout côté sous la terre, chercher moun. Pour qu'il s'allume chercher tête-li. Ah, je vais aller États-Unis pour qu'il s'allume États-Unis pas aller chercher tête-li. Alors, faut nous comprendre ce qui passe. Premier demande que Ariel Henry fait, ça remonte à environ 2 ans. Lorsque tu gagnes même monsieur Sayo qui au même t'est arrivé dans bon côté gagne dépôt gaz là c'est-à-dire la caille monsieur Wingoubio qui au même gagne dépôt gaz là la caille famimeuse nous connaît gagne une partie dans gaz là qui vient dans bon kafoua et gon l'autre partie dans gaz là qui c'est plus gros partie là qui lui même yo stocké dans des dépôts qui au même sous contrôle la famimeuse en Haïti et donc côté pour gaz là sorti là t'est lock pendant un paquet de temps c'est dans contexte ça en fait que premier ministre Ariel Henry les mêmes l'était écrit, secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres, pour lui demander qui Jean, par qui moyen, que États-Unis a capable de porter un soutien à États-Unis, le Conseil de sécurité a plus globalement, tu es capable de ton soutien pour aider à débloquer des beaux gaz là. Parce que tu es précisé à l'époque, Haïti a fait face avec une crise humanitaire. Presque un an et demi après, eh bien, Conseil de sécurité a lui-même, va commencer à pencher sur le dossier Haïti. Et c'est 2 octobre qui s'est passé, donc 2 octobre 2023. Que vous allez adopter en résolution, c'est 2699, côté vous allez autoriser donc déploiement, yon mission de soutien et de sécurité à Haïti. Mais mission de soutien et de sécurité, l'a fait avec autorisation, donc Conseil Sécurité Nations Unies, mais ce n'est pas une mission de maintien de la paix pour vous dire. Donc c'est yon même qui vous dégagez,
pour chercher l'argent yo. Puisque c'est États-Unis qui est chef maintenant. Donc la Russie et la Chine, qui eux même ces deux pays qui sont membres permanents du Conseil de sécurité. Donc il va le quitter, c'est eux qui ont bloqué face à la situation, ça gagne. Hein? Et bien donc de fait, Kounia, donc ils autorisé Kenya, ils ont dit États-Unis, ils ont dégagé pour qu'on ait qui j'en voulais Kenya à venir. Seulement, il faut nous mettre des balises, mais c'est pour une mission que nous-mêmes avons financé. Et c'est dans le contexte ça, donc, les États-Unis, donc, joignent Kenya, Kenya répondent pour Kenya pour te chahir la poulia, donc, que mission ça doit venir. Mais, le fait que Bala tape traîner en ville, les États-Unis pratiquement marchaient, m'ont dit tout le monde, qui est-ce qui a venu dépanner en Haïti? Quand le monde lui m'a dit, donc, c'est le Canada, et Justin Trudeau, gentiment, dit, écoute, je ne suis pas intéressé avec cette affaire-là. Cette affaire-là, elle est beaucoup trop grande pour moi, hein, elle est beaucoup trop grande, hein. Je ne suis pas intéressé avec cette affaire, Olivier Gardère, et bien, on dépose cette affaire, et on déposera l'affaire pendant quelques temps encore. Et bien, Canada, t'es vous, et monde vient garder celle-là, les vous, et monde vient garder l'homme, mais, ambassadeur Bobré, qui c'est ambassadeur Royaume Canada, non, Nations Unies tout, font vin garder. Et bien, le font regarder, regarder, dit, non, nous pas barrer, nous pas bon conseil comme ça. Et bien, c'est dans le contexte ça. Donc, M. Justin Trudeau dit non merci. Les États-Unis parlent avec des mondes dans le Caraïbe là. Mais écoutez, Gomba Yurele, est-ce qu'ils ont la tête, hein, est-ce qu'ils ont la gueule du boulot? Pas gagné aucun monde dans le Caraïbe là, même sous tant de yon vivine, mais yon gagné problème passé comme M. Champouel, ou du moins, tu vas gagné moyen. Majorité pays dans le Caraïbe là, c'est parce que des sous-contractants. C'est-à-dire, les 5 et 7 nervis, par exemple, ou gagné des Jamaïcains qui dans force de police 5 et 7 nervis. C'est-à-dire, on ne peut pas acheter police, il n'y a pas moyen pour les dos avec la police. Ou il n'y a pas acheter, l'acheter. Pour les Jamaïcains, les mêmes pales, il était sous deux états d'urgence, là, quand il est dans le pays Jamaïque. Si on va aller Jamaïque en vacances, devine à l'aéroport Kingston, non, il a précisé pour vous en même, écoutez, this is Jim Rock. Et sous bon vieux boostant pochou, pas pressé aller dans la rue comme ça. Oui, l'on a zone hôtel loi, est-ce qu'on t'a dit Olivier Gardère, et toi l'heure de ce live, ou comment aller sauver? Mais, en dehors des zones hôtel loi, si c'est dans la rue Kingston, ou qu'on est en même, c'est welcome to Jim Rock, et bien, pas perdre de temps en même, pour aller faire fréquent, pour aller boostou dans la rue. Y'a pas tout mal à privo, ne pas ça, mais y'a tout un petit problème technique, on moun gavon les boostal, les boostal en même. Est-ce qu'on comprend Roseland, Jésus-Ka, t'as blagué et toi là-bas live là? Donc, dans le Caraïbe là, pas y'a un monde qui a la tête du boulot. Que ce soit les Bahamas, que ce soit la Jamaïque, évidemment Trinidad c'était déjà niet, et non, dès le départ, donc pas de monde qui gueule du boulot, et bien en cherchant, et en puisant dans les contacts, les États-Unis bral tomber sous un brave, ah oui, bah, il fallait être brave pour se rendre en Haïti, brave bral tomber sous lui, c'est brave Kenya, président William Ruto qui a peine monté, à l'époque, les États-Unis, pour même dit officiellement, c'est le terrain, mais résultat élection, hein. Élection, t'as quelques petits problèmes, il est passé, nous ne pouvons pas tourner sur eux, petit problème technique. Et bien, les États-Unis ont été en négociation avec le Kenya pour le renouveler un bail que le Kenya a Kenya, on kaili le Kenya, le bas kaili, c'est mon hôtel loué. Vous connaissez les États-Unis à opérer un certain nombre de bases, donc au moins deux, là-dedans, au pays Kenya, qui ont même en même servi avec eux, puis ont fait des opérations contre des marchands de désagréments dans la zone côte Kenya hier. C'est une zone qui a un pile désagréments. D'ailleurs, dans le pico des désagréments, c'est un groupe en même qui aurait les forces Al-Shabaab, qui ont même fait allégeance avec l'État islamique, et avant, ils ont fait allégeance avec Al-Qaïda. Force Al-Shabaab, c'est résidu islamiste qui a gagné dans la coalition qui a pris le pouvoir dans le pays Somalie, ce qu'on appelle les forces des tribunaux islamiques, qui a unifié le pouvoir dans Mogadiscio. Quelques temps après, donc alliance t'a pas volé en éclat, moun ki pi radical yo, donc t'a pas le dans bois Al-Shabaab là, et bien Al-Shabaab qui lui même t'a pas donc tourné Saldea, et États-Unis et puissance européenne yo, zami pam Claudel Kasséus pral classifier comme organisation terroriste, donc les États-Unis lui même a bien besoin espace ça zamam pour lutter contre monsieur Sayo qui sont nébuleuses dans zone Bolakalia et qui ont même visé le tout et menacé. Sans oublier que les États-Unis lui même connaît ça qui passe dans zone parce que lui prend dans chair, c'est on a côté zamam États-Unis perdit plus moun. C'est dans le pays Kenya. Dans les premiers attentats, c'est attentats ça qu'on fait le monde connaît, ça crée les organisations, les Al-Qaïda, que Osama Ben Laden a dirigé. Et bien, on bon petit matin comme ça, et bien, il va y avoir des attentats contre les ambassades américaines, ambassades eux-mêmes, les ambassades américaines à Nairobi, au Kenya, et à Dar es Salaam, en Tanzanie. Donc, ils disent, son zone y a veillé des pieds pour ça. Donc, c'est le moment. Il vient de Kenya, en position stratégique, pas tellement loin de la mer, évidemment, pas tellement loin de Somalie, donc pas tellement loin. M. Claudel Kasséus, c'est toi l'heure de ce live, un certain nombre de foyers de crise. Donc, comme il y a une négociation sur l'autre dossier, et bien, tout dit qu'il y a attendez, non. Mais écoutez, vous avez du monde, c'est du beau monde. Peut-être qu'il y a bien utile. Et on a proposé au gouvernement kenyan l'affaire. Et l'affaire a été acceptée, évidemment, avec beaucoup d'incentives. Il dit qu'il y a, il a géré. Et du fait, je vous dis à vrai, nous tous témoins que vous gérez Kenya. Il va te gérer Kenya, puis il va y ça. Il a bien géré Kenya. Il va y avoir 60 lits. Et d'ailleurs, il va y avoir 60 lits. Je ne vais pas raconter que vous avez un bouton. Non, monsieur. Vous savez, dit nous que des bagages, vous avez un bouton, mais vous avez un pile bagage. Il a un pile bagage, vraiment, pile bagage. Yo ou c'est tout ça. C'est comme ça pour moun bay moun bagay. Le moun a bon bagay, li ba bon mousso bagay, li bon tout bagay la net. Oui, li bon tout son besoin. Li bon tout nan bagay la. Moun a bon bagay la, moitié. Le moun a bon bagay, moun a bagay la net. Et comme ça moun bagay la net. Par exemple, États-Unis,
promet Kenya la baye Kenya 430 millions shekels qui c'est monnaie kenyan pour qu'a supporter 60 étudiants kenyans qui va étudier aux États-Unis pendant un semestre. 60 étudiants kenyans pour marquer donc 60e anniversaire relation diplomatique donc qui existait entre les États-Unis et le Kenya. C'est comme ça, les moun a bon bagay, gon jan moun nan bon bagay la, c'est bagay la bon. C'est comme ça moun bay moun bagay, l'on moun a bon bagay, moun nan dou mes bagay. Oui, mes bagay. Chaque vie retourne au bon bagay, chaque bon Kenya passe, yon ti kida kebe sa nan moun. Oui, c'est comme ça. A dit yo bien géré Kenya. Pas de cause de mauvais règlement, gâte les amis. Ça c'est bon règlement, les moun. Il n'a pas parlé de bon règlement, n'a pas parlé réellement de très très bon règlement. Par exemple, dans le cause étudiant, t'as dit ça. Ça y est pour étudiant Kenya. Pour étudiant Kenya. Pas pour étudiant Kenya, la pape contente, moun, l'y a 60 là. Oui, oui. L'oké, yon d'habit, yon d'habit, yon d'habit, yon d'habit, yon d'habit, yon d'habit, yon $3.3 million to a new era of the Kennedy-Mboya partnerships. Les États-Unis donc décidé bail $3.3 million américains pour le cas renouveler donc partenariat Kennedy-Mboya partnership là qui va le permettre donc des étudiants kenyans venir étudier aux États-Unis, c'est 60, il y a 60 ans relations diplomatiques entre Kenya et les États-Unis. Alors on a bail bail yo. M'a pas parler si m'a parler bail bail, m'a fait tout temps mouche. M'a gagne temps pour parler bail bail. Kenya gagne bagaille nan men. Kenya gagne bagaille nan men. Là ici le moun yo bon bagaille. Eh eh yo bon bagaille. Alors nous comprenons tout que bravo, qu'on bat, oh, on va battre bravo tout. Et bien, laissez-moi étoile là, nous refusons de battre bravo. Mais parce que méchant, on m'a battre étoile, c'est battre bravo pour mon nom. Battre bravo pour étoile, c'est l'oublé. Bravo pour Claudel Cassius qui a plagié étoile en live là. Bravo pour Olivier Gardeur qui a plagié étoile. Bravo pour Patrick Pierre qui a plagié étoile en live là. Les mounes battre étoile, bon, ici, ou battre bravo. Ou attendez bravo, bien là tout. Et bravo, qu'on fait tout. Supporting 60 young and promising Kenyans to study at top US universities for one semester. Donc, il va le supporter 60 jeunes Kenyans qui vont étudier dans la plus grosse université aux États-Unis pendant un semestre. Et là, il va servir pour ça. Il 60 students to commemorate the 60 years of partnership that have transpired between the United States and Kenya since the original Kennedy airlift. Eh bien, oui, c'est pour commémorer 60e anniversaire relation diplomatique que les États-Unis ont gagné avec Kenya. Donc, moun sa ou pas l'étudier dans gros tonton université aux États-Unis. Et donc, et partenariat ça qui vient entre les États-Unis et Kenya. The Kennedy and Mboya partnerships will also strengthen connection between American and Kenyan universities and include two-way exchanges of our faculty and researchers. Et bien Kennedy et Mboya partnership là tout pour permettre que renforcer partenariat qui vient entre université aux États-Unis et université dans pays Kenya. Ouais Abdoulaye Timon. Mais nous l'on a géo géo l'a géo. L'autre de mon a géo et mon poli. Et mon géo l'a géo. Oui. Il a fait l'objet où on nous gère le bien. Vous attendez, malgré, c'est mon chef, femme, n'a pas dit, femme, s'il n'a pas petit pour me faire cadeau encore. Pour ça, Déborah, oh, me dit Déborah, si tu t'en dois pas petit. Oui, il faut me faire cadeau, faites papa. Ou te faire petit à nègre là. Et bien, moi-même, non, pas encore petit là. Je me faire cadeau encore, pire. Ouais. Working in STEM fields. As you can hear, the US government is incredibly proud of all of these past, present, and future exchanges and partnerships between Kenyan and US institutions of higher education. The United States Agency for International Development, or USAID, continues this legacy of partnership. USAID has long driven innovative exchanges for students and faculty. Alors, si mon Kenya a tout, va le faire étudier, bah, il est important que vous puissiez étudier à d'autres, puis rester dans STEM, hein, côté des mathématiques, mais vous pensez avec bah, science. Ouais, ouais, yo, ok. Ça y est, partie éducation. Ouais, nous l'avons bien plusieurs parties de bah, yo, j'aime bien dire, nous l'avons bien plusieurs parties de bah, yo, Timon. Les abbottis, mon, c'est tout côté, vous passez au bord, il va bon seul côté. On moun ka bo bagay bi bon sel bagay, non non, les moun ka bo bagay li bo plusieurs côté. Li men wale évidemment, yo fait Kenya cadeau 16 hélicoptères, 16 hélicoptères vinn Nairobi, il a commencé venir en fin année et reste yo a vini ti moun nan reste la li même l'a vini comment li bay ça? L'a vini en 2025. Y a bay Kenya tout, on volume machine 150 véhicules blindés tout. Pa bien ça un cadeau ti moun. Ça un cadeau pour Kenya. Pa nous sans respect pour moun, c'est cadeau pour Kenya ti moun. Nous faut nous comprendre bayo c'est cadeau y a bay Kenya. Alors trop cadeau ti moun na gèt tourner cause cadeau bon font tirer dans président États-Unis dans Joe Biden. Alors yo poser Joe Biden question pour ça Kenya va chercher connait moun Kenya ti moun y a chercher compte journaliste ou vinn chercher compte depuis on vinn dans bagarre ou faire poser équipe vieille question pas gè place yo et on m'a invité ou ba ou manger faut parler mal quand même ou tande cause nous poser président américain question papa pour ça États-Unis même c'est l'autre moun la chercher pour le voyer pour ça lui même li pas venir mais réponse Joe Biden monsieur dame. This matter. The question with regard to Haiti is, we concluded that for the United States to deploy forces in the hemisphere, this raises all kinds of questions that can be easily misrepresented about what we're trying to do. Pour États-Unis, vous et troupes dans l'hémisphère occidental là, mais gouvernement américain dit mes amis, t'as les monaldil, puis elle mal représentée par là.
Les Italiens disent fausse occupation, c'est fausse ceci, c'est fausse cela. Est-ce qu'on a des lignes bol en ces étoiles là? Donc c'est pour raison ça c'est même passé le brident. Le brident, son monde brident lié. Donc il va le voyer tout le monde à Italie, il va le voyer occuper Haïti. Donc pour éviter mon vinde qu'elle était occupée Haïti, mais la chercher Kenya pour Kenya qui a fait travail là pour lui. Autant de temps. Et là, moi, je vais parler de président Joseph Robinet.